Salut tout le monde, c'est Yano Pipo et on se retrouve pour ce 11e épisode sur No Man's Sky. On va continuer à interroger ces bonhommes qui sont supposés me connaître, enfin apparemment ils me connaissent. Juste d'abord prendre le carbone là, toujours bon à prendre ça. Hop là. Pourquoi ils en ont autant là? Oh, où tu vas toi? Voilà. Ami, Nut. Ah mais lui par contre il me connaît pas alors. Quoi? Elle est en train de voler? S'il vous plaît, marchand. Exiger toutes les unités volées. Wow! Magnifique. Le mot désespoir, eh ben, sympa lui. Ah purée, il faut le truc Atlas machin là. Ah. J'ai vraiment l'impression d'être un super héros. Ouais, c'est bien la base où j'étais allé à l'origine. Pourquoi j'étais jamais allé jusqu'ici, je crois. Ouais, effectivement. Ah, on peut rester appuyé. À quoi ça sert de mettre deux portes? Par contre, si là je décide de me téléporter. Mais j'ai pas de téléporteur là-bas, donc je risque d'être un peu dans la merde, non? Ouais, c'est pas... Soit maintenant, il va falloir que je construise, que j'améliore un peu mieux ma base, quoi. De toute façon, faut que je retourne à ma base, donc hop. On a vu ce qu'on avait à voir ici. Attends, par contre, en train de me dire, y a pas moyen de mettre un... Ouais. T'as juste la marquer, c'est possible? Je sais pas, c'est spécial quoi.
Ouais, bon, on va retourner à notre base. Station spatiale. Ah, c'est trop stylé. Allez. Juste vérifier un truc. Maintenant c'est bon, elle est marquée quoi. Et si j'enlevais le marqueur? De toute façon je mettais le marqueur là-bas. Je sais pas. Bon, on verra bien. La base, ouais. Hop là, let's go. Attends, quoi? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça, la spatz ou je sais pas quoi? Wow. C'est quoi entrer dans la vue libre? Ok, attends. Ah, donc c'est le prochain endroit. Intéressant. Possible de placer un point de passage? Et si là maintenant je quitte. Attends, stop. Parce que là j'ai ma station spatiale, ok. Et le point de passage, ça l'a mis ou pas? C'est ouf. Attends, c'était où? C'était là. Ah ouais. Purée. Donc là actuellement moi je suis attends, oh purée. Erkin. Voie choisie, centre galactique. C'est difficile, hein. Oh purée, il y a tellement de trucs à visiter là.
Mais vas-y pour les trouver les autres endroits. C'est pas évident, hein. Ouais. Ok. Ok, bon, on retourne à la base. Elle est où déjà? Ah oui, elle est là-bas. Alors, au pire, on fait ça, là. Première base. Voilà. C'est tellement proche que ça me dit même pas dans combien de temps on arrive. Par contre, on va... Ouais, voilà. On va peut-être se mettre... Tiens, ici c'est pas mal en vrai. C'est trop stylé que je puisse voir là-bas, station spatiale. C'est trop bien. Ah par contre je me suis garé pile dessus là. Ah non c'est bon. Alors attends. Journal. Générateur de bio machin. Attends, parce qu'il n'y avait pas des trucs que je devais vite voir. Ok. Le décryptage, voilà. Codage 16, 16, 16. Le voyageur trouve ses ailes. Volez jusqu'à nous et occupez votre place parmi les étoiles. Une pub. Quoi, c'est ça là-bas? Signal de détresse. Bon, on va aller voir. Hein. Juste d'abord générateur de biocarburant. Ok. Ça c'était quoi déjà? Balise de sauvetage. Oui, merde, le journal. Alors, éveil. Ah, mais c'est une mission secondaire, ça. Ok. Bon, on va rester sur la principale. Localiser les coordonnées décodées. Bon, on va aller là-bas. Ok, let's go. On va voir qui c'est. Ça se trouve, il y a quelqu'un. Hein. C'est là-bas, hop là. Oula. Ouf, mon vaisseau il est passé un peu trop proche. Je me demande vraiment, il y a quoi? Quand après je vais arrêter, plus faut que j'aille vite faire quelques courses et après je vais manger. On approche, je crois que c'est juste de l'autre côté de la montagne, enfin de la colline.
signal de détresse éventuelle. Le pire, c'est que c'est ça, hein. C'est même pas sûr que ça soit un signal de détresse. Waouh, ok, je vois un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est immense! Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau de malade? Depuis le début, il y a ça ici? Journal endommagé, rapport partiel disponible. N'empêche, il est big le vaisseau. Le signal m'a mené jusqu'à l'épave d'un cargo. D'énormes fragments de métal jonchent le paysage. Ces messages provenaient-ils simplement de ratés dans les circuits d'une ruine depuis longtemps oubliée? Parmi les débris, je trouve le journal du pilote en train de clignoter dans l'attente d'une saisie. Au lieu d'afficher le journal du vaisseau, le terminal me crache une étrange suite de nombres. Les nombres sont suivis d'un court message. L'anomalie vient des étoiles, envolez-vous. Un schéma d'hyperpropulseur est joint à la fin du message. Prendre le plan. Un plan d'hyperpropulseur n'est ni destiné à un vaisseau conventionnel ni à un cargo de cette taille. Quelqu'un l'a placé ici après le crash en espérant qu'il soit trouvé. Hyper propulseur, les amis! Putain, yes! Propulseur VSL permettant au vaisseau d'atteindre la vitesse de distorsion et de sauter d'un système à un autre système! Yes! Enfin! Veuillez accéder au système d'hyperpropulsion depuis la carte galactique. Pouh! Oh mon dieu! Yes! Installer une hyperpropulsion. Voyage interstellaire. On est bon là. On est bon. Pourquoi t'as des choses à visiter là, hein? Je suis en train de me dire, y a rien de dangereux là. Capsule marchandise. Hein. Bon, j'ai cru entendre un cri, mais ça doit être dehors. Ouais, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais bon, vas-y. Oula, 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 oula. Protection, radiation, stabilisation. Oh purée. Attends. On attend un petit peu et on y retourne.
Merde, je pensais pas que ça allait m'attaquer comme ça. Vas-y, go, go, go. De quoi là-dedans là? Oui, c'est les oiseaux, merde. Bra. Comme ça, après, je peux m'enfuir. Je sais pas vraiment à quoi ça sert ces trucs, mais bon. Ouais, j'en étais sûr. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, mais il est énorme ce vaisseau. Y a pas une entrée quelque part? J'ai eu peur, j'ai cru que le vaisseau là, allait décoller, mais qu'est-ce qui se passe là? Peut pas rentrer là-dedans? Non? Petit bug, ça veut pas. Dommage. Comment on faisait pour rentrer dans ce vaisseau? Parce que quoi, c'est les propulseurs? Waouh, waouh. Je crois que j'allais m'exploser la tête. Mais y a pas une ouverture ou je sais pas. Quand même bizarre cette épave. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pensais qu'on allait trouver une tonne de trucs, mais en fait, et là-bas. Il est encore en train de fumer lui. Hein. Quoi, c'était c'est nucléaire ça? Toi quoi? Ah ça va, c'est un vaisseau. Ah peut-être un peu haut là, ouais. Ouais, je pense que le but c'était pas qu'on visite l'endroit. Waouh, 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 wow, il y avait un de ces bugs. Capsule de marchandises. C'est quoi là-bas? Ah, c'est les oiseaux. En fait, ça détecte pas les ennemis, ça détecte les formes de vie.
Où c'est là? Voilà. Destination atteinte. Bizarre ça. Je voyais qu'il y avait un truc. Beau. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de choses à trouver ici, mais bon. Bon, on retourne dans le vaisseau. Alors, ouais, effectivement. Alors, on a deux trucs par contre. Ça, c'est quoi? Scanner d'économie, une amélioration pour les capteurs à échelle galactique du vaisseau. Ce dispositif permet à l'utilisateur d'accéder aux données économiques détaillées d'un système sans avoir à le visiter. C'est pas mal. Alors, il me faut quoi? Pièce de hyperpropulsion, statut de sous-composant désinstallé. Insérer tous les sous-composants pour terminer l'installation. Donc il faut du métal chromatique. Ok, ça c'est bon. Attends mince, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Et ça c'est pièce de hyperpropulsion. Donc il faut des microprocesseurs. Alors soit on peut le fabriquer ça, soit on peut l'acheter. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres technologies qu'on peut ajouter là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il faut bien sûr le. Ouais, pareil, microprocesseur et câblage. Ok. On se roquette, ça c'est bien. Scanner un chat. Ah, pourquoi je vais juste le mettre là? Je peux pas le déplacer, non? Bon, c'est pas grave. Petit à petit, on avance. Du métal chromatique, gagner de l'argent, appuyer sur option pour savoir plus. Vendez des éléments. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de d'infos là en vrai. Installer l'hyperpropulsion, on va retourner à la base d'abord. Je pense que c'est le plus intelligent. Que tu penses que chaque truc qu'on voit là-haut dans le ciel, là, c'est potentiellement... Attends, quoi? Pourquoi ils veulent que j'aille à la station spatiale? Acheter des microprocesseurs. Ah! Attends, mais je vais d'abord acheter du... je vais fabriquer du truc micro-chromatique. Ah,
Ah, je réfléchis. Ouais, on va fabriquer le micro machin. Je sais plus comment j'ai fait d'ailleurs pour le fabriquer. Attends. Recette peut-être? Ah, du cuivre. Est-ce qu'on a encore du cuivre? Métal chromatique, ok, il faut du cuivre. On était allé sur une planète où il y avait une tonne de... Ah, attends quoi? Du cuivre, il y en a là, donc je pense que c'est faut le raffiner. Et puis c'est bon, on peut avoir du... Ok, c'est bon, on est bon là. Comme ça, on aura tout d'un coup. Et là, on va se mettre bien. Bah quoi, l'hyperpropulseur, je me demande ce que ça consomme comme carburant. Parce que c'est bien beau de changer de système, mais si ensuite on est perdu. Ouais, avant de partir, faudra quand même que je construise mon truc pour me téléporter, je pense. Ne serait-ce que pour avoir encore un contact avec ce système. Ouh la merde! Voilà. Attends quoi? Ah oui, c'est là. Du cuivre. Chromatique. Let's go. Je sais pas combien j'en fais. Peut-être 100. Je sais pas, il en faut combien déjà? Vaisseau. Hyperpropulsion. J'en ai 55. Ok, c'est bon, je vois à peu près. Ok. Un petit peu plus. Toujours bien d'en avoir en réserve. Non, je pense que cette vidéo, je vais l'appeler comme ça, hein, hyper propulsion. Ouais, on le met dans le vaisseau. Et on va aller acheter ce qu'il nous faut. Putain. Bon, attends, parce que avant d'y aller... Ouais, crée. Oh, parce que j'en ai marre de tomber dans ce trou là. C'est bon là? Voilà. Débouche-moi ce trou là. Oh, je vais péter une pile. Ah, je vais tout déglinguer là.
C'est pas possible. Hop, on dégage d'ici, c'est bon. Ah! Et on va aller acheter. Tu penses qu'à la base on avait galéré à le trouver cet endroit? Qu'est-ce que ça nous indique même le mec chez qui on peut acheter? Ah si c'est le cas c'est bien hein. Quand on n'a pas encore vu le prix. C'est ça? Ouais. Oh, c'est cher. 100 000. Bah heureusement que je suis riche. C'est bien ça, il m'en faut. Oh là 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 là. Il y a rien que je peux vendre là. Bon. Ah, il m'en faut un autre. Oh. Ok. Ah, il me saigne là. J'étais tellement content d'être riche et tout. Wouhouhouhou. Un peu triste là. Bah oui, allez. Voilà. Hyperpropulsion activée. Et il faut quoi? C'est quoi ça? Cellule de distorsion. Ce carburant à base d'antimatière est l'une des rares sources d'énergie capable de générer. Hein. Ah ouais, mais ça c'est chaud. Hein. Moi je suis pas encore parti quoi. Rapport d'auto-diagnostic. Ouais. Bah ouais. Une source d'antimatière. Ah, j'ai trouvé. Source d'antimatière, magnifique. Je suis en train de me dire, on va pas s'arrêter là. Ouais. On va peut-être s'arrêter là et prochaine étape, ça va être l'antimatière. Mais écoutez, merci à vous d'avoir regardé. En même temps, je peux y aller déjà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à donner votre avis en commentaire. Voilà, donner vos avis, vos critiques, peu importe. N'hésitez pas aussi à vous... Est-ce que j'ai dit liker la vidéo? Oui, bon, après, n'est-ce pas un peu évident? N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous saurez quand je sors une vidéo. Et puis sur ce, encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et bonne continuation. C'était Yano Pippo.
Et direction l'antimatière.